Elie la fois où nous n'a pas mon aller. Yeah. Nya mon sonya oh. On vient mon la fois où nous n'a pas où yo. Yeah. Elie la go. Yeah. Elie la fois où nous n'a pas mon aller. Wow. Nya mon sonya oh. Nya mon sonya oh. On vient mon la fois où nous n'a pas mon aller. Obia wala go, uno na pa mo ale wa. Nyamo sunya o, obia mo la go, uno na pa uhi o. Ye, eli e la go, eli e la go, uno na pa mo ale. Unona pa mu ale ye nyawo suga o obia mu la go unona pa mu yo ye eri e la go eri e la go unona pa mu ale. Oh, yeah. La Godia, Dio, 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 Dio,
kamoki ya viliwa u. La kamoki ya viliwa u. Mon Dieu vivant, quel est marabout. Mon Dieu vivant. Mon Dieu est plus fort que les fétiches, oh yeah. Mon Dieu est plus fort. J'étais malade, j'ai salé voir les marabouts. Ils m'ont dit que yeah, si Dieu le veut, ça va aller, oh. Ils m'ont dit que, ils m'ont dit que, ça va aller, oh. Ils m'ont dit que, voilà, si Dieu le veut, oh. Je n'ai pas été guerrier. J'ai accepté Jésus, toi, Jésus qui m'a délivré. Mon Dieu est plus fort que le marabout. Mon Dieu est plus fort. Yeah. Mon Dieu est plus fort que le sorcier. Mon Dieu est plus fort. Mon la grosie est diva. Il est plus puissant que tous les génies, les marabouts. Il est plus fort, puissant que tous les astrologues. Il est plus fort que tous les magiciens. Il est plus fort que la franc-maçonnerie. Il est plus fort que la magie. Il est plus fort que la rose-croix. Il est plus fort que tous ceux qui sont dans le mysticisme. Dieu est plus fort. Sur cette terre, dans ce monde, sur cette terre, il n'y a pas plus grand que ce Jésus que je prie. Ma peuo, ma todoa, luna kala gaujo. Cette terre et dans ce monde, il n'y a pas plus fort que Jésus que j'ai pris. Ma peuo, ma todoa, luna kala gaujo. Ce serait qu'il faut arrêter d'aller chez les marabouts. Il faut arrêter d'aller dans la franc-maçonnerie parce qu'on parle de la philosophie, mais derrière ça, il y a Satan. On parle de la rose-croix d'une philosophie, mais derrière ça, il y a le mysticisme, il y a le diable derrière qui se cache derrière, qui vous fait citer des pactes formels pour vous amener dans l'enfer. Il n'y a que Jésus seul, qui est notre Dieu, qui peut vous délivrer. Ma peuo, ye, ma dodoa, nous la calabouzo. Ma peuo, ye.
matoto wa lula dola kwa ujo obye wale ka o mozi ya uwo ye la mozi ya liwa u dodo manyo la ka mozi ya liwa uwo la mozi ya liwa u la gozi Diriwa, il est plus fort que les marabouts en qui tu te confies. Il est plus fort que la franc-maçonnerie. Il est plus fort que la rose-croix. Il est plus fort que la magie. Il est plus fort que l'astrologie. C'est lui qui est le maître de l'univers. J'étais malade moi-même. Il m'a guéri. J'avais les poumons infectés. Jésus-Christ m'a guéri. J'étais enchaîné par les œuvres, la sorcellerie. Il m'a libéré. Et Dieu peut encore te guérir. Ma péouo, yé, ma dodoa, nous la carabaouzo. Ma peuwa, ma dodowa, luna gara go uzo. Ma peule, yeke ma dodowa, luna gara go uzo. Mon Dieu plus fort que les marabouts, mon Dieu plus fort. Mon Dieu est plus fort que les sorciers, oh, yeah. Mon Dieu est plus fort. J'étais malade, je suis allé voir les marabouts. Ils m'ont dit que, wa, si Dieu le veut, ça va aller, oh. Ils te diront toujours, si Dieu le veut, ça va aller. Ils savent bien qu'il y a un Dieu. Les dieux sont deux minuscules. Notre Dieu, c'est deux majuscules. Le plus grand Dieu, c'est Jésus. Il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. J'étais malade, je suis allé voir les marabouts. Ils m'ont dit que, wa, si Dieu le veut, ça va aller, oh. Ils m'ont dit que ça va aller haut. Ils m'ont dit que, wa, si Dieu le veut, ça va aller haut. Et moi passé, des mois passés, je n'ai pas été guéri. J'ai accepté Jésus, Jésus-Christ m'a délivré. La seule solution, la seule chose qui peut amener Dieu à te délivrer, c'est l'acceptation de Jésus. C'est que tu acceptes Jésus, que tu le reconnaisses comme sauveur et Seigneur. Oui, sauveur parce qu'il est celui qui te sauve. Et Seigneur, décider de marcher avec lui, d'abandonner le maraboutage, d'abandonner, parce que ça c'est un mélange, on ne peut pas se deux dieux. Ou c'est Jésus, ou c'est les fétiches, ou c'est Jésus, ou c'est l'astrologie, ou c'est Jésus, ou c'est la franc-maçonnerie, ou c'est Jésus, c'est la rose-croix. On ne peut pas être rosé-christien et en même temps Christ, ce n'est pas possible. On n'est pas une franc-maçon et en même temps Jésus, ce n'est pas possible. Ou c'est Jésus. Quand on a Jésus, on abandonne tout. Il dit, celui qui voudra me suivre, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix et qui devienne mon disciple. Il n'y a que Jésus seul qui peut te délivrer. Si seulement tu l'acceptes comme sauveur Seigneur. Ce n'est pas une question de religion. Non, ce n'est pas une question de religion, c'est de l'accepter. Jésus-Christ, c'est un paquet où il y a tout dedans. Il y a guérison, il y a restauration, il y a prospérité et tout. Je suis moi-même un témoignage vivant. Aucun sorcier ne peut me terrasser. Moi, je mourrais d'une maladie naturelle d'ailleurs. Voilà, aucun sorcier. J'ai défié les plus grands sorciers de la Côte d'Ivoire. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, j'ai rencontré les sorciers les plus terribles, qu'on appelle les Zogos de Zéro Corée à Guinée. Ils sont tombés dans une salle. On m'envoyait qu'on appelle les abeilles 6 mois pour m'abattre. L'abeille est retournée sur eux. C'est un spectacle dans cette salle. Jésus-Christ est Seigneur. J'étais malade, je suis allé voir les marabouts. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. Ils m'ont dit que ça va aller haut. Ils m'ont dit que yeah, si Dieu le veut, ça va aller haut. Un mois passé, deux mois passés, je n'ai pas été guéri. J'ai accepté Jésus, Jésus-Christ m'a délivré. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. Que la sorcière, mon Dieu est plus fort. Tu vas lui dire plus que les plus forts que les sorciers, les plus forts. Il au-dessus peut te guérir, il peut te délivrer. Tu vas lui présenter ton sujet, ce pourquoi tu es là. Tu n'es pas venu faire du tourisme à Divo, ni de vagabondage ici à Divo. Tu es venu rencontrer Dieu, le trouver. Il dit, vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, tu vas lui présenter ce pourquoi tu es là. Présente ça au Seigneur.
Oui, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire en te bénissant ce matin, notre Dieu, notre roi. Merci, notre Dieu, notre roi. Nous voulons te célébrer, te rendre la gloire parce que tu es Dieu. Tu es tellement vivant et capable encore de guérison, Jésus-Christ. Seigneur, oh notre Dieu, pas ta parole, pas ta puissance, c'est la mort, mon roi. Encore, j'ai un regard sur la vie de tous les bien-aimés. Nous sommes venus avec Dieu chercher ta face. Oh notre Dieu, je compte sur toi, s'il te plaît, souviens-toi de Seigneur. On est avec Dieu, Le Dieu d'Élie d'aller partout annoncer l'évangile. C'est toi qui m'as choisi à mon salaire pour annoncer l'évangile. C'est pour ça que je n'ai pas peur d'affronter les sorciers. Parce que je ne suis pas bipé, je suis appelé. À mon salaire, 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 à mon salaire. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Toi qui as donné sens à nos vies. Tu es monté à la croix. Tu as payé sur toi. Tu as payé la dette. Tu as vaincu le péché. Le rachat a été fait pour toi, Jésus. Sauf que la Bible déclare que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a que toi seul qui peux nous réconcilier. Tu l'as fait en croyant ta personne, Dieu. Tu es encore le Dieu qui guérit et le Dieu de la délivrance. Allez, l'Esprit du Seigneur reste sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Nous croyons à la délivrance. Nous savons que tu guéris encore les malades. Tu peux encore délivrer, Seigneur, notre Dieu. Oui, tu es le Verbe. Faites chair. Utilise ma personne, parle à chacun d'entre nous. Éclaire-nous sur certaines choses afin que nous soyons encore plus que vainqueurs dans ce combat que nous menons, Seigneur. Merci. Et au nom de Jésus que j'ai prié, on dit amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Il est vraiment important de vous éclairer un peu. Amen. Si c'est une chose.
que Dieu bénisse. Amen. Nous allons lire un passage. Je vais parler de l'étoile. Amen. Amen. Je vais parler de l'étoile. Alléluia. Et quand on parle de l'étoile, ce sont les astres, les choses qu'on a mis dans le ciel et tout ça. Mais spirituellement parlant, quand on parle de l'étoile, on parle de la chance. On parle de la gloire de la personne. Une étoile, c'est symbole de gloire. Amen. Amen. On dit, il est une étoile, c'est symbole de gloire. C'est une étoile qui n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Alors généralement, Dieu a créé chacun d'entre nous. Et Dieu a donné une étoile à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chacun n'est pas un accident biologique. C'est-à-dire qu'il dépasse certains paradigmes. Vous dites non, tu es venu suivre les enfants, ce n'est pas possible. Amen. Quand vous regardez un peu la procréation, comment est l'enfant, comment le fœtus, à partir des spermes, excusez-moi, les spermes, comme sont des milliards, comment ils se combattent. Et puis il y a un seul qui rentre dans l'ovule pour devenir, qu'on appelle le fœtus, qui devient enfant. Ça vous dit que tu as combattu depuis que tu étais sperme. Hein? Les œufs, tu es rentré, tu n'es pas n'importe qui. Depuis ta naissance déjà, tu es un champion. Amen. Amen. Et regardez, quand l'homme sort de terre, l'homme sort plutôt du ventre, il y a quelque chose qui l'enfant fait. Qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant pleure. C'est un geste très fort. Quand l'enfant pleure pas, les sages femmes sont obligés de le taper. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans un monde difficile. Des difficultés. Tu vas affronter des choses. Pas parce que tu n'es pas une étoile. Pas parce que tu es une étoile que tu ne vas pas rencontrer les moments difficiles. Si, tu vas affronter beaucoup de choses. Amen. Amen. Voilà. Parce que le monde, ce monde-là est fait de combat. Et depuis le vent, Dieu l'a fait de toi champion. Dis amen. 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 Depuis le vent, c'est un champion qui est sorti. Parce qu'on ne peut pas être champion sans combat. Dis amen avec moi. Amen. Non, on ne peut pas être champion tant que tu n'as pas combattu. Donc tu es champion depuis le ventre. Les spermes là, c'est par milliers, sont par milliards. Et le combat que les gens mènent, tu as mené le combat toi seul, tu es rentré dans le vide, et tu es devenu fœtus, du coup un bébé. Pour dire que tu es champion. Et quand avant de sortir, il y a eu pleur. Tu affrontes. Mais tu sais, Dieu ne choisit pas n'importe qui. Parmi des milliards, c'est toi seul. Donc ton combat depuis les entrailles. Et toi seul, tu es sorti. Tu es un champion. Quand tu sors, il y a pleurs. Pour dire que tu es dans un monde, il y a beaucoup de difficultés. Amen. Amen. N'oublie pas que tu es un champion. Amen. 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 Le champion, lui, banalise. Amen. Amen. Et quand la petite fille voulait faire coup de poing, moi, j'ai banalisé quand même. Mais c'est lui, là, j'ai la tué. Pas frappé. Non, frappé, mais j'ai la tué. Amen. Amen. C'est comme ça. Tu es un champion. Amen. 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 Et le diable te fait miroiter que tu ne vaux rien. C'est ça. Et tu marches avec ça. Le diable te montre tes faiblesses. Il te montre ton incapacité d'avancer dans la vie. C'est ça. Et quand tu capes ça, tu deviens donc inutile. Si on entend normal, tu es un champion. Dis amen. Amen. Tu es capable de réussir dans la vie. Tu es capable d'avancer dans la vie. Amen. Amen. La victoire de l'homme passe dans la tête. Et c'est ce qu'a fait David. David, regardez, face à un géant. Goliath, géant. Qui avait 5 mètres. Gaillard, 5 mètres. Un David petit comme ça, qui n'a pas 1m50. Amen. Il regarde un géant. C'est psychologique. Il regarde un géant. Il dit, moi, il était terrassé. Les gens l'ont demandé pardon. Eh, monsieur, ici, là, c'est pas affaire d'aller à la maison où tu insultes tes grands frères. Lui, c'est un Goliath. Ils l'ont appelé, on dit, petit, on va t'aider. Sinon, son tête, on dit, non, on t'a livré à un géant qui t'a mangé. Donc, viens, on va te porter les trucs. Ils ont porté les choses à David. Il a dit, c'est tellement tout ça. Ce combat-là, il n'est pas physique, il est spirituel. Moi, je sais qu'il est le vainqueur, c'est spirituel. Comment tu affrontes la journée? Après avoir fini de pleurer, tu dis, Seigneur, moi-même, je suis venu accompagner les gens. Mais tu accompagnes les gens. C'est qu'un homme déclare ce qu'il arrive. C'est qu'un homme dit, là, c'est ce qu'il arrive. Moi-même, là, je suis né pour être malheureux, mais tu ne suis pas malheureux. C'est pour ça que veillez sur ce que vous dites. Veillez là-dessus. Qu'est-ce que plus que demain, je ne vais pas marcher? Aujourd'hui, ne marchera pas. Je ne vais pas marcher. Mais demain, marchera pour toi. Amen. Et pourquoi? Parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'est-ce que pour que tu as mal fini? C'est vrai que tu as mal commencé ta vie, mais tu finiras bien puisque tu as accepté Jésus. Mais n'oublie pas qu'il y a un combat. Amen. Amen. On dit amen. Amen. T'as vu l'affronter? T'as vu la regarder? Il dit, moi je suis venu, hein, c'est pas pour te défier et te terrasser.
C'est ce qu'il a fait avec une fronde. Il allait auprès des courants d'eau. La Bible, il a choisi cinq pierres, qui est symbole du nom de Jésus. Il y en a cinq lettres, symbole. Il partait dans ce combat pour combattre le Goliath, mais avec Jésus. Toi, tu combats, tu affrontes cette vie avec qui? Amen. Avec qui tu affrontes cette vie? Oui, il faut, non pas le diable, avec Jésus. On n'affronte pas cette vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre, ce n'est pas le combat sans Jésus. Pour affronter ce combat, il faut que tu aies Jésus à toi. C'est pour ça que David a pris le soin d'aller fouiller dans le courant d'eau. La Bible est comparée, l'eau est comparée comme la parole de Dieu. Je suis sûr de vous. La parole de Dieu est sûre. L'eau. L'eau. C'est dans la Bible, la puisée dans l'eau, qui est la parole de Dieu. Que Jésus appelle la parole faite chair. Donc il n'est pas allé n'importe où, n'est pas allé sur la terre. Naturellement, c'est sur la terre qu'on trouve les cailloux. Mais il va dans un tourant d'eau, il prend les pieds polis dans la parole. L'eau est la parole de Dieu. Jésus-Christ, la parole faite chair. Et cinq lettres, il montre pour détruire Goliath. La Bible déclare, dans le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Toi, tu veux faire les exploits, mais avec qui tu marches? Qui est ton Dieu? Qui te défend? Amen. Amen. Ah non, les sorciers doivent me manger, mais ils sont normalement qui te mangent. Tu ressembles à Choukouya, pourquoi tu manges? Mais tu n'as rien avec toi. Mais il n'y a personne qui te protège. Donc ils vont rester comme ça, ils ont faim, ils vont te manger. Non, les sorciers même. Mais les sorciers même là, qui te protège? C'est les mangeurs d'âmes, ils ont faim. Toi, tu ne manges pas gaba matin. Tu ne prends pas pain beurré matin. Hein, blue band. Tu ne m'as pas sauce copère midi, hein, bakali. Ils ont faim. J'ai dit aux gens là, c'est pour les sorciers, il y a allé jouer petit poteau, ouais, soleil, mes cages, viens. Non, c'est pour manger homme. Mangeur d'âme. Toi, tu vis dans la vie comme ça. On ne vit pas comme ça dans la vie. Non, je suis désolé. On ne marche pas comme ça dans la vie. Qui marche avec toi? Qui est ton protecteur? Point d'interrogation. Amen. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu veux faire des exploits? Parce que cette tête doit faire des exploits. Si oui, il faut que tu associes Dieu à ta vie. D'autres mêmes vont dire, mais Dieu n'existe pas. Ils sont vaincus jusqu'à fatiguer. Il y a des religions qui disent Dieu n'existe pas. Vous êtes vaincus. Vous ne pouvez pas vous combattre. Vous ne pouvez pas affronter la vie avec vos philosophies, vos raisonnements. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas détruire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que même la science, qui nous fait comprendre souvent des choses, nous dit, la science nous sert de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature. De comprendre. La science, même sait. Quand la science découvre des choses, nous, on vient de faire une découverte. On vient de découvrir le vaccin d'Ebola. Bien, tout le monde dit ça. Merci, si. L'Ebola, elle ne va pas rentrer ici. Chaque matin, il parle. Ça ne va pas rentrer sur ce territoire. Amen. Amen. Non, ça va plus rentrer dans d'autres pays. Ça n'a qu'à s'arrêter où ça, c'est un truc. Plus ça va se soigner. Hmm. C'est quelle maladie bizarre, ça tue les gens bêtement. Ça n'a qu'à s'arrêter là-bas. Amen. Amen. Donc tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Notre victoire, ta victoire dépend de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça dépend de comment tu vois le combat. Si tu penses que le combat va te terrasser, mais le combat va te terrasser. Si tu penses que tu es plus que vainqueur, c'est ce qui va se passer. Non. C'est toi qui dois combattre sortir plus que vainqueur. Parce que tu es avec le Dieu d'Élie. Amen. Amen. Le Dieu de la Bible. David était serein. Il savait. Et ils n'ont pas compris la portée spirituelle de la chose. Ils n'avaient pas compris. Parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël avait, n'est-ce pas, laissé l'arche de l'Éternel qui allait même chez les Philistiens. La présence de Dieu. Ils ont banalisé ça. Non, c'est une chose que les gens avaient perdu. Il ne faut jamais banaliser la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais banaliser, n'est-ce pas, la prière. Il y a des gens qui banalisent la prière. Ils banalisent la prière, ils s'en foutent de la prière. Amen. Amen. David a compris que c'était spirituel. Vous savez, c'est le monde spirituel qui fait le monde visible. Si tu ne composes pas le spirituel, il sera difficile d'avancer dans la vie. Alors David l'affronte et puis David terrasse Goliath. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit avec Dieu. Nous ferons des exploits. Nous sommes 4, verset 60, verset 14. Il écrasera nos ennemis. Que tu veuilles ou pas, tu auras des ennemis. Il y a des gens qui seront toujours là pour t'attaquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de l'étoile. Amen. Amen. Tu es né avec une étoile. Dis à quelqu'un, tu es né avec une étoile. Tu es né avec une étoile. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es né avec une étoile. Tu es né avec une étoile. Je ne dis pas que c'est toi, tu vas dans le ciel. Hein. Non. Tu es né avec la gloire. Avec la richesse, la bénédiction. Nous prenons, Matthieu 2 plutôt, à partir du verset 1. Écoutez très bien. On monte la Bible. On fait pas la Bible. Je comprends pourquoi sorcier vous mange.
C'est un truc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas le commencement, la fin. Vous le mettez au début, c'est la fin. Si vous le banalisez, vous banalisez. Vous devez le mettre après. On dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Lui d'abord. Amen. Lui d'abord. Donc, arrêtez cette habitude de négliger les choses. Je sais que vous ne lisez pas la Bible. Si tu oublies la Bible, tu ne lis pas. Poussière là-dessus. C'est qu'on a attaqué, on met son 35 sur le tête. Son tracé, son si va te manger, tu vois. Lui, la finir son tracé. Ne négligez pas la parole de Dieu. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode. Très bien. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit : où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia! Amen. Car nous avons vu son étoile à l'Orient. Alléluia, nous avons vu son étoile à l'Orient. Le roi vient de naître et nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Nous avons vu l'étoile des rois. Tu es un roi d'Israël. Amen. Tu es un roi d'Israël. Amen. Les gens verront ton étoile. Amen. Comme les poussures, ils verront ton étoile. Amen. Tu es un roi. Dis à quelqu'un que tu es un roi. 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 Alléluia. Il vit en paix de naître. Mais ils ont vu son étoile depuis l'Orient. C'est pas lui. Il n'avait rien à voir. Mais son étoile a apparu depuis l'Orient. Et les gens ont vu son étoile. Ils sont venus. Allons-y. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes venus pour l'adorer. C'est très important. Amen. Amen. À qui on donne tout. Nous sommes venus lui donner tout. Nous avons vu son étoile. Tu es un roi. Tu es une reine. Amen. Amen. Les gens verront les choses pour venir te donner. Nous sommes venus, c'est pas toi. Il n'avait rien à voir avec ça. Il est né avec ça. Nous sommes venus vers lui. C'est eux qui sont venus. Il dit, j'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. Allons-y. Le roi Hérode, ayant appris cela. Mais ils sont tombés sur quelqu'un qu'il ne fallait pas. Dis à quelqu'un, ils sont tombés sur quelqu'un qu'il ne fallait pas. Ils sont tombés sur quelqu'un qu'il ne fallait pas. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Il a appris ça. Il fut troublé. Il est fâché. Troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Mais vous dites quoi, Hérode, lui? Il est troublé. Puis il a informé les gens. On dit, il y a un roi qui vient de naître. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi seul. C'est dans ma lignée, il doit avoir un roi. On dit, il y a un autre roi quelque part. Troublé, lui, il était. Et tout Jérusalem. Amen. Le diable se sert des informations pour pouvoir détruire. Il se sert des informations pour détruire. Amen. Amen. Vous cherchez à avoir une information sur toi. C'est pas n'importe qui on parle, on dit des choses. Ils sont venus parler de l'étoile, de la gloire de Jésus à quelqu'un qui était sorcier. Ils sont venus lui dire, voici son étoile qui vient d'apparaître. Il était troublé. Au lieu d'être content, il est troublé. Sorcier. Quand ils apprendront des choses sur toi, ils seront troublés. Celui qui apprend des bonnes choses de toi, qui n'est pas content, qui a une mine bizarre, c'est ton sorcier. Parce qu'un sorcier, c'est un lanceur de sorts. C'est pour ça que c'est pas tout le monde on dit les choses. C'est tout à fait normal, c'est lui le roi. Effectivement, c'est à lui on doit dire, voici ça. Mais il savait une seule chose. Que la royauté, qu'on est roi, on n'est plus n'importe qui. Amen. Amen. Ils savent que toi tu es roi. Tu es une reine, tu n'es plus n'importe qui. Lorsqu'ils ont cette information, ils savent que c'est toi qui dois régner sur eux. Dis amen. Amen. Ça, c'est clair. C'est toi qui dois régner sur eux. Le roi, il règne. Tout vient au roi. Et mais, regardez, l'information... On l'a porté à une personne qui ne parlait pas. À Hérode. Comment tu reçois une information de quelqu'un, on dit les rois, et toi tu es troublé. Tu es troublé. Tu es troublé, bébé. Tu es troublé. Au lieu de te réjouir, c'est ça. Ça t'énerve. C'est cela qui a permis à garder la discrétion. Non, et moi je vais aller à Paris. Hein. Si je vais à Paris, t'envoies chaussures. Costume. Tu as déjà habillé le monsieur. Il t'envoie deux valises. Tu ne sais pas combien même. Je vais aller à Paris. Que Dieu te bénisse, hein, qui t'a fermé. Allons-y.
Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès de... Il s'informa. Comment ça va se passer? Ils vont s'informer pour demander comment ça se déroule. Tout. Pour... Allons-y. Du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit... Vous expliquez tout aux gens. Mais il a pris une information, il va chercher à voir. Il va creuser. C'est ça quand tu as demandé. Il y a des choses, je ne te réponds pas. Pourquoi tu me demandes tout ça? Tu as fait quoi? Tu as me fait quoi? Tu me demandes comme ça? Il y a des choses, je ne dis pas. Là, tu n'as pas me venir. Tu demandes l'information par rapport à quoi? C'est pour faire quoi, ça? Quand il a eu l'information, il dit, bon, d'accord. Où il doit naître? Donne-moi l'information. Comment il doit faire? Il cherche à avoir une formation. C'est pour ça que les sorciers, ils mettent des caméras sur vous pour avoir une information. Une fois qu'il a une information, sur toi, c'est fini. Allons. À Bethléem en Judée. Très bien. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Amen. Écoutez, mais ça a été écrit, dis amen. Amen. Dis à quelqu'un, ça a été écrit. Amen. Ça dit, personne ne peut maintenant passer ça. Ça dit, ça a été écrit par les prophètes. Ils ont prédit ça. Dieu a prédit que tu es le roi. Dis amen. Amen. Lui, dans sa volonté, c'est que c'est toi qui es le roi. Ça a été écrit. Il dit ça a été écrit. Donc il a été troublé encore. Après ça, il dit ça a été écrit. Ça a été écrit. Pour lui, là, ça a été écrit. Tu ne peux rien, ça a été prédit par les prophètes. Ils ont dit que c'est lui qui doit régner. Ils ont dit que c'est elle qui doit régner. C'est elle. Ça a été écrit. Tu ne peux rien. Amen. Amen. Ça a été écrit par Dieu. Dieu a écrit ça, frère. Amen. Il faut avoir l'espoir que c'est toi qui dois régner sur ta famille. C'est toi qui régneras sur eux. Ils le savent. Quand ils te voient, ils savent que tu es en train de venir. Tu es en train de venir, ils le savent. Ça a été écrit par Dieu. Amen. Et c'est que Dieu a décidé là-haut. Quelque chose sur la terre ne pourra contre ça. Amen. Quelque chose ne pourra contre toi. Amen. Amen. Allons-y. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas de la moindre entre les principaux villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. C'est toi le chef. Amen. Alors, c'est toi que Dieu établit comme chef. Alléluia. Amen. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ça fait combien de temps ton étoile brille? C'est ce qu'ils vont étudier. Ça fait combien de temps ça commence à aller? Ils vont vouloir étouffer ton étoile. Ils vont vouloir éteindre ton étoile. Ta gloire va commencer à s'éteindre. Tu vas pas commencer à s'assombrer. Tu vas pouvoir commencer que ce que tu touches commence à ne plus marcher. Parce qu'ils ont une information. Ah, ça fait combien de temps? Si on les laisse faire 10 ans, ou même 2 ans, ça ne va pas marcher pour nous. Il faut commencer à éteindre son étoile. Et tout ce que tu vas commencer à toucher, ça s'égale. Ils vont commencer par là d'abord. Étouffer ton étoile. Pour ne pas qu'on puisse te voir. L'étoile a commencé à sombrer. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui a une étoile. Tu as une étoile. Tu as une étoile. Tu as une étoile. Alléluia. Puis il les envoya à Bethléem. Il a dit d'accord, allez-y à Bethléem. Comme ça a été écrit, n'est-ce pas? Allez-y à Bethléem. Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Allez dans leur famille. Ils vont t'envoyer, ils vont voir les gens dans ta famille. La confluer dans ta famille. Pour avoir toutes les informations sur toi. Alors? Si vous l'avez trouvé, faites-le moi savoir. Faites-moi savoir ça. Afin que j'aille aussi moi l'adorer. Sorcier, il ment. Après, amen. Si vous l'avez trouvé, dites-moi, il ment. C'est un sorcier. Ils vont vouloir te localiser. Ils vont vouloir trouver tes affaires. Ils vont vouloir avoir toutes les... Tu fais quelle affaire même? Quand tu es naïf, tu commences à parler des choses comme ça. Tu vas lui dire ça pourquoi? Il va vouloir investir dans toi. Pourquoi? Quand tu ne maîtrises pas quelqu'un, ne parle pas de ça. Tu vas parler de ton mariage, tu ne le maîtrises pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux gens. Il ne pourra pas vouloir t'aider. Amen. Mais la discrétion. Moi, je suis fiancé, je n'ai pas besoin de dire. C'est quand on va vouloir t'en donner, je viens te présenter. Quand c'est propre, il te présente. Tu te maries quand? Et tu as le fait quoi? Quand on a l'argent pour aller marier. Ça t'intéresse pourquoi? Pourquoi pour moi ça t'intéresse? Mets en prière. Tu avec qui même? Et puis tu as fait quoi? Tu as me donné, tu es un agent de mariage. Tu es un agent de matrimonial, tu vas chercher pas pour moi. Il y a des choses, il ne faut pas dire aux gens. Il faut garder la discrétion. Parce qu'il y a des choses que les gens ne voulaient pas que tu aies. Tu aies ça en possession. Ils vont attaquer. Attention. Allez me trouver. Tu penses que c'est un ami? Il les a fait bien déjeuner. Non, il y a des gens, frère. Ce n'est pas tous ceux qui rient avec toi qui sont avec toi. Non. Ils vont manger avec toi. Mais ils sont à la recherche d'une information. Ils les ont mangé, beurre, tout ça. Les pizzas les plus terribles de la terre.
des géniteurs donner l'argent pour les corrompre. Allez me trouver. Ils ont dit, mais le gars, il est bon, hein. De toute façon, il a donné à Maïla. Donc, si tu trouves l'enfant, parce qu'il y a des gens que Dieu a envoyés pour te bénir. Amen. Il y a des gens que Dieu va envoyer. Ils sont venus depuis l'Orient pour les bénir. Et c'est ces personnes-là qui sont tombées sur la personne qu'il ne fallait pas. Amen. Amen. Et ils trouvent que, ah, mais le monsieur, il compose avec notre esprit. Pourtant, c'est faux. Vous allez le rencontrer, mais il ne compose pas avec toi. Il va faire du semblant. Et ça, ça caractérise le sorcier. L'hypocrisie. Il va vouloir avoir une information de toi. Et ta femme-là, ce qui vient de toi. Hein. Comment ton mari, ce qui vient de toi. Hein. Comment il fait? Comment tu l'as eu? C'est fini. Brou. Le lendemain, il n'y a pas l'âme. Monsieur te voit, mais il est fâché. Il ne peut même pas te regarder, il est fâché. Ah, monsieur, il y a quoi? Il y a quoi? Pas l'âme. Ça a commencé. Ma soeur, mon ami, mon mari, là, je suis venu te dire, il y a problème, il faut m'aider en prière. Elle met dose encore, elle dose ça. Tu viens le lendemain, c'est Gilles même qui te donne. Amen. Amen. 3 semaines après, il fait un mur de Berlin. Là, il ne te touche pas. Il y a un mur de Berlin, vous dormez. Quelqu'un te touche, il te frappe. Lui, il a déjà fini de prier dehors. Puis tu souffres dans la maison. Ah, je ne comprends plus rien. Mais c'est que tu as fait, là. C'est ça? On est bien à l'aise. Elle ne veut pas que vous soyez à l'aise. Mais finis-vous. Allons-y. Après avoir entendu le roi, il partit et voici. C'est pourtant, il pense que le roi est que un sorcier, il est sorcier. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Ils ont vu l'étoile, effectivement, voici ça. Frère, à l'aide de lion. C'est parce qu'on ne voit pas ton étoile qu'on ne te bénit pas. Amen. Ton étoile va apparaître tout à l'heure. Dis amen. Amen. Ça va apparaître. Même si elle était noire, ça va apparaître tout à l'heure. Amen. Parce qu'on ne voit pas ton étoile. Donc celui qui veut te bénir ne sait pas comment faire pour te bénir. Sinon, ce n'est pas à toi de fuir. C'est Dieu qui ordonnera la bénédiction de l'univers. Amen. Amen. Ah, depuis là, non, tu envoyais l'homme qu'il faut. Un corbeau a nourri Eli. Amen. Un oiseau est venu nourrir Eli. Il a envoyé bayonnaise, il a envoyé pizza, machin, oiseau, corbeau. Toi, je me suis dit, mais Dieu, comment un oiseau peut venir nourrir quelqu'un? Amen. Amen. Alléluia. Dieu a envoyé n'importe, pourvu que tu sois béni. Il a envoyé tout le monde. Moi, je m'attends toujours à la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut tomber sur l'homme qu'il faut. Il a vu son étoile. C'est parce que ton étoile est étouffée. Et personne ne te regarde. On te voit même quand Diagaura. Le monsieur l'a couché une seule fois, ça finit. Quand tu dis bonjour, il dit Orange. Quand tu l'appelles Orange, bonjour, vos correspondants ne peuvent pas te joindre. Appelez ultérieurement. Quand tu insistes, Orange dit pardon, le monsieur l'a changé de puce. C'est fini, le monsieur dit tu t'aimes plus. Orange m'a te parler, téléphone. Le monsieur là, il dit tu t'aimes plus. Tu es fâché même. Amen. Vas-y, ça allait dire à la famille. J'ai trouvé monsieur, il est grand, il va me marier. Ah, il va te marier. Hé, hey, t'es marié, hey, ma fille. Là, ils ont fermé. Quand il vient, il a appelé. Allô? Viens prendre le réseau. Ça, c'est ce que tu vas te prendre avant. Allô? Jusqu'à 14h, toi, tu commences à t'inquiéter. Jusqu'à 18h, le lendemain, tu appelles. Laurent dit pardon, de monsieur, là. Il est parti. Appelé ultérieurement. Les filles, c'est vrai, c'était lui. Mais ils ont touché ça. C'est vrai, mais tu n'as pas dit à quelqu'un qu'il fallait vous parler, vous faites quoi? Vous cherchez le nom. Tu n'as même pas encore porté bague, tu es déjà marié. Oui, mais regarde, ils n'ont même pas encore porté bague, ils sont mariés, ils ont sorti de la mairie, ils ont fini. Voici ma robe de mariage, voici ça, tu as déjà fini. Sorcier. C'est pas tout, on dit aux gens. Amen. 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 Mais Dieu a envoyé, il a montré l'étoile. Ils ont marché, ils ne savaient pas où l'enfant était, mais ils ont vu l'étoile. C'est ton étoile là qu'il verra. Même s'il est en France, ton mari va veiller pour toi. Amen. Il ne faut pas t'inquiéter, il faut être patient. Il ne faut pas tomber s'il est faux type. Il faut être patient. Seigneur, tu vois, non, j'ai maigri, j'ai vieilli. Tu vois, depuis là, je suis âgé. Il y a pointu pour toi. Amen. Amen. Non, mais il y a pointu. Même si c'est grand, même il y a sous mes yeux. Entre la même fait mes yeux. Tu vas te demander. Dieu a magasin des maris. Amen. Dieu a magasin des femmes. Pourvu que ça soit la femme de ta vie. Que ce soit l'homme de ta vie, qui va te rendre heureux. On ne se marie pas par le faire théâtre, où on a fait Winston, ou brave l'âme, puis suis bandit. Chaque jour, vous blessez entre vous. C'est pour le bonheur. Le jour que tu constates ça dans vos fiançailles, il faut te séparer. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on se fiance. On regarde. Si c'est un mauvais caractère, ce n'est pas toi. Mais ce film, ça va continuer. C'est court métrage, non? Il aura long métrage. Vous allez faire. Vous avez commencé court métrage dans fiançailles, non?
long métrage vous allez faire dans le mariage. Il y a des enfants, ils sont des spectateurs, ils sont et ils filment chaque jour. Maman, papa, tape! Maman, blessé! Tape! Et la fois, regarde, vous les souvenez en train d'apprendre aux enfants comment on fait pas là. Amen. Amen. Si tu as parlé. Alléluia. Il a vu son étoile. Ils ont vu son étoile. Quelque chose fait pour toi, tu sens ça. Fais l'éternel des délices, ne rasque ton cœur désire. Une femme qui va me faire du bien, c'est elle que moi je veux. Pas pour me chagriner. Un monsieur qui va te chagriner là, il faut le laisser. Il y avait une fille qui est venue ici. Elle est venue, c'est un bruteur. Je vais le regarder. Il dit le monsieur là, c'est un petit. Il dit rien. Il dit où toi la rencontre? Il dit c'est ici. Fais Facebook. Tu connais chez lui? Non, je ne connais pas. Il vit où? Il vit chez la famille de son camarade. Il est footballeur. Il a fait Cap-Vert. Il dit, ça c'est un élément déjà. Il a fait Portugal. Il va aller en Turquie. On a venu prier pour lui. Il dit, mais qui? Il en est l'argent là-haut. C'est moi et payé. Il dit, monsieur, viens. Bon dia. Il ne sait pas parler. Bon dia. Bon, j'avais dit bonjour en portugais. Quand il a dit, il faut sortir. Ma fille. Le monsieur là, c'est un faux type. Non, après, il dit, moi, il ne prie pas pour faux type. Il n'a pas eu peur de venir voir un prophète. Donc, là-bas où il est pris là, les gens disent que c'est lui, il va me bénir. Il dit, hey, il y a un prophète, il dit, il y a un prophète. Il y a les bipés. On les bip. Dieu dit, c'est pas toi. Le prophète Crasso, il voulait appeler, puis je me suis trompé de numéro. Mais lui, il décroche, il veut décrocher. C'est des bipés. Lui, il voit là. Si tu domines en papaye là, il va te montrer qui a pris le sucre dans papaye. Il va pouffer ton argent. Elle dit, mais c'est vrai, depuis que je commence à ouvrir ses yeux, depuis qu'il a rencontré mon argent, il dit, mais oui, il a fait maraboutage sur toi. Il y la plus grosse. Tu l'as touché des liens comme ça. Bon Dieu a créé cerveau. Ça là, c'est cerveau. C'est finalement intelligence. Tu regardes prier Turquie pour lui, aller au voyage pour lui. Quelque chose que toi-même, Dieu va t'envoyer, tu seras à l'aise. Tu n'as pas de problème avec ça. Quand tu vois ça, ton cœur à l'aise. Amen. Amen. C'est ça, il dit aux hommes, ne marie pas n'importe quelle femme. Amen. Moi, je ne suis pas encore engagé. J'étudie. C'est la vérité. Il ne peut pas venir me chagriner. Quand il voit que ce n'est pas ça, prier affaire de femme, là, c'est affaire de cœur. Amen. D'abord, fait des révélations. Baba, Seigneur m'a dit que. Tu as des promesses. Oh. Comme elle n'a pas vu vous voir. Quand Adam a vu, Adam n'a pas des rêves. Quand il va se réveiller, voici ma foi. Amen. Amen. C'est pas Seigneur m'a dit que révélation. On va te tromper un jour. Si tu regardes, ça me correspond. Quand tu vas dans la boutique, tu ne connais pas celui qui tu aimes. Hein? Comment tu vas aller prendre les chaussures de façon? Il y a des gens qui sont venus d'un pays, ils ne disent pas. Pourquoi vous se reconnaissez? Il a ouais, chaussures. Ça la mène à qui est porte près du feu, ça c'est brûlé. Dites merci au monsieur, c'est sa femme qui m'a donné cette chaussure. Ouais, elle m'a envoyé trois paires de chaussures comme ça. Et puis quand elle m'a regardé, c'est qui j'aime là, c'est ce qu'elle m'a envoyé. Merci. Voilà. Elle m'a envoyé un costume, rouge bordeaux. Elle m'a envoyé trois paires de chaussures et tout ça. Voici les gens. Elle ne m'a jamais vu sur le Skype. Ben, elle a dit, je sais qu'on a ton goût. Effectivement, quand elle m'a envoyé, c'était propre. Et puis elle a envoyé aussi une chaussure pour l'interprète. Vraiment que Dieu bénisse. Ça vous dit, Dieu, quand il envoie une femme, ou même quand tu vois connaître. Non, on était ensemble, on s'est séparés. Ça dépend. Il faut bien regarder. On ne s'engage pas comme ça. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile. Ils sont venus adorer Jésus. Allons-y. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivé allait devant eux, ça marchait, ne sont pas trompés. Amen. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Amen, elle s'arrêta, c'est là. Amen. Je suis avec toi, il réagit quand je vois, c'est des poudettes. C'est pas toi, il doit marier, il faut quitter ma vie. Donc, il y a des moments d'observation qui dégagent. Si c'est elle, tout le temps que tu vas vivre avec elle, des moments de fiançailles, c'est des moments de fiançailles d'observation avant de s'engager dans le mariage. Si elle ne correspond pas à ce que tu veux, change. S'il ne répond pas à des critères, non, ça ne fait rien. Toi, tu ne peux pas changer le poilu, là.
Le possédé, j'ai prié pour lui, il sera délivré. Le possédé, là, je vais l'échanger. Quel est le possédé qui est venu, qui est poussé, les poissons du blanc dans la possession. Tu peux délivrer le monsieur. Toi, ton jeune peut quoi? Tu as déjà chassé tes. Elle, toi-même, tu as pu chasser tes hommes. Il va venir le délivrer. Lui, là, c'est lui-même qui a été délivré. Allons-y. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Quand ils ont vu l'étoile, qu'ils ont fait, il fut saisi d'une grande joie. Amen. Ce qui te vale, c'est la joie. Quand tu vas voir ça, tu vas reconnaître ça. Quelque chose qui correspond à toi, là, quand tu vois, tu connais ça. C'est ce qu'il dit aux gens. Ouvrez les yeux. Ça, là, c'est pour moi. Mais ça t'apporte la joie. Ça ne te chagrine pas. Ça t'apporte la joie. Quand ils ont vu, ils ont su que c'était ça. Amen. Allons. Il entra dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Ils l'ont adoré, ils ont apporté la bénédiction. Amen. Amen. Ils l'ont adoré, ils ont apporté la bénédiction. C'est ça, c'est lui. Tu trouveras l'homme de ta vie, tu sauras que c'est lui. Amen. Et toi, tu retrouveras en lui. Tu as retrouvé comme lui. Tout prêt à t'aider, prêt. Tu as retrouvé en lui. Ils ont vu l'étoile, ils ont su que c'était Jésus. Il y avait tous les enfants à Nazareth, il y avait les enfants. Ils ont vu l'étoile, ils ont su que c'était Jésus. C'était lui Jésus. Amen. Tu vois l'homme de ta vie, tu sauras que c'est l'homme. Tu vois la femme de ta vie, tu sauras que c'est la femme de ta vie. Parce qu'elle doit t'apporter le bonheur. Elle ne doit pas te chagriner. Ça commence par les temps de fiançailles. C'est ce qu'il dit aux gens. Les moments de fiançailles d'abord. Vous regardez. Si ça ne correspond pas avec toi, ça c'est court-métrage. Tu vas voir l'homme-métrage. L'homme-métrage va te montrer. Donc vaut mieux partir. Amen. Oui, parce que ce n'est pas toi. C'est la bénédiction qui va venir jusqu'à toi. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont marché, ils sont venus. La gloire. Amen. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or. Offrit. Amen. Amen. Donné à Jésus. Alors? De l'encens et de la myrrhe. Mm-hmm. Puis. De l'encens et de la myrrhe, ils ont parfumé Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dégrader. Ils ont parfumé Jésus. Bonne odeur à Jésus. Les gens qui te marchent avec eux, qui t'apportent un mauvais témoignage, qui parlent mal de toi, qui ne disent pas des bonnes choses de toi, dégage. Ce n'est pas toi d'eux. Ils ont apporté. Les parfums de mille, les plus grands parfums. Quelqu'un qui est avec toi, il doit te parfumer. Amen. Amen. Il doit te parfumer. Il doit t'apporter un bon témoignage. Si tu remarques que c'est lui qui est avec toi, il ne parle pas bien de toi, c'est pas ça de lui. Ouvrez les yeux, ne marche pas n'importe qui. Quelqu'un qui ne sait pas où l'arranger, ne marche pas à lui. C'est pas forcé. Sinon, il va te terrasser. Ils ont apporté du parfum à Jésus. Ils sont là pour avoir l'information, pour te dégrader, pour avoir tes faiblesses. L'homme a des qualités, il a des faiblesses. Ils vont que découvrir tes faiblesses, ils vont te tuer. Le jour où la Dalila a su la source de puissance de Salomon, elle a fait tomber Salomon. D'abord, il a dit non, si tu sais, attachez-moi. Tu l'as attaché. On t'attache, mais tu es fort. Elle a blagué le temps, blagué. Menti, quand. Il dit, coupez mes cheveux. Quand ils ont coupé leurs yeux, ils ont crevé ses yeux dans l'œil. C'est ça. Tu vas voir des Dalila. Ils vont dans ta vie. Va avoir une information. Cherche à te nuire. Te maîtriser. C'est ça, te maîtriser. C'est le terrorisme spirituel. Ils vont chercher à te maîtriser, te terroriser. Amen. Il faut qu'ils apportent les mines, les parfums, les parfumés. Lui qui t'approche, il te cherche à te faire avancer. Mais celui qui vient, qui t'apporte bien, qui t'apporte piment, tu vas éterminer chaque jour. T'as envie d'éterminer. C'est un parfum de piment. Il y a les parfums à Ornain. Tu as été à la mairie, mais ça dégage dans ton nez. Quand on est encore très jeune, il y a un frère. Il y a un frère de Tabaski. Il y a un qui était là-bas, fait du carême. Il était un peu bizarre à nous. Nos frères allaient prendre parfum à Rouna. Il a mis ça dans son boubou. Plein. Il soulève. Parfum. Il commence à pleurer. Ça compte piment, parfum à Rouna. Tu connaissais, non? Il y a des gens qui ont parfum à Rouna. Tu manges des parfums, mais ça à Rouna. Ça sent, on est mené piment. Il y a des gens qui sont là près de toi. Au lieu de partir parfumer, ils vont voir te dégrader. Ils sont avec toi, hein. Mais ce qu'ils disent de toi, là, c'est grave. Celui qui est avec toi, qui te parfume. Pendant que tu as une odeur, c'est vrai. Pendant que tu as une faiblesse, lui vient partir. Amen. C'est un bon ami. Marche à lui. Donc, Jésus, il doit porter la vie. Pour parfumer Jésus. C'est parce que vous n'ouvrez pas les yeux. Sinon, l'ennemi, il a côté, hein. Ouvrez les yeux. Moi, quand il marche, j'étudie. Parce qu'à cause des sorcelleries aujourd'hui, là, il doit savoir qui il marche. Ce n'est pas que demain, il terrasse. Parce qu'ils sont patients.
peu importe le temps, mais pourvu qu'il atteigne son objectif, il est terrassé. Celui qui va fumer avec arrogant, la fin où il y a piment dedans, c'est un sorcier. Même s'il te coupe les choses, il doit te protéger. Amen. Il doit te parfumer. Il doit t'aider. Parce que tu as des qualités aussi en toi. Tu es un roi. Dis amen. Amen. Tu es un roi. L'étoile, ça s'entretient. On ne peut pas étouffer ça. On ne peut pas détruire. Ils ont mis son étoile. Ils ont envoyé le parfum pour parfumer Jésus. À cause de son étoile. Allons-y. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ah, voyez ça. On dit avec Dieu, nous ferons des espoirs et l'écraserons nos ennemis. En même temps, dans la même nuit, comme vous avez vu l'étoile, vous l'avez aidé. Celui qui est de leur côté ne pourra pas l'aider. Regardez. Ils regagnent leur pays par un chemin. N'allez plus chez Hérode. Ils ont dit, n'allez pas chez Hérode. Si vous allez chez Hérode, il va le tuer. Amen. Amen. Donc, il n'a plus composé. Il y a des gens qui ne veulent pas composer. Au départ, il a dit, allez trouver l'endroit. Mais ce n'était pas l'homme avec lequel on devait composer. Donc, celui qui vient à toi, là, s'il a une composition des gens extérieurs, il faut couper à lui. On m'a bien saisi. Amen. Oui, parce qu'il vient à une formation pour composer des gens. Dieu dit non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas avec le monsieur. Parce que s'il vient, il va détruire. Vous avez une information. Il vient. Regardez, c'est Joseph lui-même. Quand il a vu l'étoile, quand il a vu, il a fait un songe. Et dans le songe, j'avais la lune, et plutôt le soleil et les étoiles qui sont venues se prosterner devant la lune. Il avait une vie à ses frères. Pour lui, c'était une grande joie. Mais les frères ont compris que ah, c'est lui-là qui va régner de Dieu demain. Donc ils l'ont appelé. Ils ont dit, monsieur, allons-y, hein, faisais des songes. Amen. Amen. Parce que quand ils vont découvrir des choses en toi, ils vont chercher à détruire ça. Ils l'ont amené, ils l'ont jeté dans le prison, les frères. Les mêmes frères l'ont vendu. Amen. Amen. Il faut savoir avec qui tu parles, avec qui tu marches. Il faut ouvrir tes yeux. Et si ce n'est pas toi qui l'as terrassé, lui va te terrasser. Ce n'est pas n'importe qui on parle. Et généralement, les gens laissent comme ça. Moi, je veux pas. Moi, quand je marche chez toi, je te regarde. Je vois tes intuitions pour moi. Tu n'as pas de bonnes pensées pour moi, je marche chez toi. Ce n'est pas forcé. Tu veux camarade, va dans la rue, tu vas trouver les enfants délinquants. Marche avec eux. Dieu dit, ce n'est pas l'homme. Il faut choisir des amis. De l'amitié, il faut choisir ça. Nous, on rit avec tout le monde. Moi, je ne rit pas avec tout le monde. Pourquoi? Vous riez tout le monde, vous jouez du doigt avec tout le monde. Mais c'est bien joué. Awale, bien sûr, vous êtes dame. Pourquoi toi ça là? Il y a quel temps pour aller jouer dame? Il y a quel temps pour aller jouer Awale? Vous êtes amis à tout le monde du quartier. Vous n'avez plus d'intimité. C'est ça qui vient pas cours commune. Excusez-moi. Si je vous attaque ce matin. Quand tu es dans cours commune, tu n'avances pas. Les gens sont au courant de tout. Tamaïs, Piment, Aéri, ils sont au courant. Tu vas voyager, ils vont en famille. Vas-y, quelqu'un va faire ça là, va faire sortir. C'est ça que nous, en Afrique, ici là, on est blanc. Tu es dans le même immeuble que lui, il n'a pas oublié de dire bonjour. Et nous on dit, ah, le voisin il fait malin. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'entends? On veut tous savoir. Voise. On lui dit, maman, c'est lui. Elle n'est pas là. Tu connais pas ton problème, le gars, de ça. Voisin, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Vous voulez saluer tout le monde de l'immeuble. Nous, je vais mettre l'association des maisons, des gens qui sont dans l'immeuble. C'est pas pour savoir ce que les gens. C'est ça que nous tuons ici, là. Non, sorcellerie, le monde, on envoie ça en Europe, là-bas. Association des gens pour avoir sorcellerie. Lui là, il a construit le village, hein. Lui là, qu'est-ce qu'il fait au village? Lui là, il fait comme ça au village. Puis il donne tous les sons pour t'étudier. Il faut savoir qui marche. La discrétion, c'est important. Là, même quand tu n'es pas trop en contact avec certaines personnes, tu es venu. Vous connaissez Escargot? Ah, tout le monde connaît. Sauce graine, Escargot et Placali. Reste tranquille. Reste tranquille. Amen. Amen. Tu vois clair le ciel. Sauce graine. Il y a escargot dedans. Matin. Ta journée est gagnée. Vous savez qu'on n'aime pas les petits escargots. Il y a la manière d'escargot, si on se connaît. Elle sauce graine. Si escargot a grossi là, qu'est-ce qu'il avait? Il s'est caché. Bah, les chercheurs d'escargot sont là. Et les professionnels sont moins ici. La nuit, il prend torche pour aller chercher l'escargot. Là, je cherche le sac fait combien? On y a peur de dire. Le sac fait combien? 15 000. 15 000, ouais. Là, les escargots, c'est...